Donc rappelons que depuis le début, il y a eu, j'ai constaté personnellement, un engouement. Et maintenant et pour l'avenir, quand on regarde la jeunesse marocaine, la potence. À l'arrivée ici, j'ai vu tous les groupes et j'ai dit, ah, wow, quel investissement. Wow. L'avenir de cette institution. Aujourd'hui, je suis à Fès, à l'Université Euromed de Fès, pour la célébration, pour le lancement, le démarrage d'un nouveau étage d'un projet commun qui s'appelle Fès Smart Factory. C'est un partenariat entre le Millennium Challenge Corporation des États-Unis avec le financement du gouvernement des États-Unis, l'université, le gouvernement du Maroc et beaucoup d'autres partenaires dans le secteur privé. Le secteur gouvernemental, l'agence de développement digital, tout ça, le ministère d'industrie et tout ça et avec l'investissement pour l'utilisation des ressources du Maroc, particulièrement les zones industrielles, pour l'approvisionnement des opportunités et particulièrement la formation pour la jeunesse du Maroc. Et ici, nous lançons ce projet pour le Fès Smart Factory qui a l'idée de la préparation et, pour la formation des jeunes dans le domaine de l'Internet 4.0, Industry 4.0, ça veut dire l'intégration entre l'Internet, entre l'Internet of Things et l'industrialisation moderne du pays du Maroc. Alors, c'est un projet de formation, c'est un projet de fournir un endroit pour l'industrie, pour les petites et moyennes entreprises de la région, pour encourager l'essor économique et particulièrement l'approvisionnement de l'emploi pour la génération des Marocains à venir.